Alors, il donne son avis aussi sur Alonso. J'ai aussi hâte de savoir ce qu'il veut dire. Alpine a perdu très gros, ouais, Alpine a perdu très très gros. Et là, sans déconner, c'est pas méchant, mais je trouve que Alonso. Alonso, c'était un peu chaud, quoi. Déjà, dans ses propos envers Ocon, c'était dur, et pas forcément mérité. Et, c'est ça. Et là, c'est lui qui, franchement, c'est lui qui met Alpine dans la mouise, quoi. Peut-être que là, il est peut-être un petit peu de déconnecté, Pépère Fernand. Mais on verra par la suite. N'oublie pas qu'il est toujours deux fois champion du monde. Il est deux fois champion du monde, mais bon, là, il s'est comporté comme un vrai con. C'est du Alonso, en même temps. On a l'habitude. Il a clairement accusé Ocon de l'avoir serré dans le mur, dans le virage, là. C'est pour ça qu'il l'aurait percuté, je sais pas quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, ces explications. Non, c'est clairement lui qui a mal jugé la distance avec son équipier. Et il l'a percuté, tout simplement. Enfin, c'est un vrai scandale, ce pilote, en fait. Il est de pire en pire. Je sais pas ce que ça a fait chez Aston, mais ça promet, hein. Imaginez si Stroll fait à Alonso ce qu'il a fait à Vettel. Oh la vache. Incroyable.